oui, je crois qu'elle est. Elle est plus, je dirais, plus aboutie du début à la fin. On n'a pas été obligé de. On avait prévu plein de choses, honnêtement, au niveau défensif. Et on ne l'a pas fait parce que les gars ont tenu en homme tout le match. Donc on avait prévu complètement autre chose, mais on avait prévu de faire de la zone, des changements défensifs, plein de choses. Et en fin de compte, les gars ont tenu en homme tout le match. Et il y a eu une excellente défense collective, et en particulier une excellente défense sur Wembanyama, qui a été privé de ballon, qu'on a coupé du ballon. Yanis a coupé du ballon. Derrière, celui qui allait remplacer l'a coupé du ballon. Et ça s'est bien fait. Alors au départ, c'était pas prévu comme ça. Au départ, c'était prévu que ça soit Maxime Ross qui défende sur Wembanyama. Mais évidemment, Vincent Collet n'est pas complètement débile. Est un coach reconnu et réputé et à juste titre. Et évidemment, comme c'est moi qui fais mon 5 en premier, quand j'ai mis Maxime Ross, eh ben, il a mis Banjassi. Effectivement, Yanis Morin ne pouvait pas défendre sur Banjassi. Donc j'étais obligé de basculer Maxime Ross sur Banjassi. Et de ce fait, c'est Yanis qui a défendu sur Wembanyama. Mais il l'a très très bien fait. Mais au départ, ce n'est pas ce qui était prévu. Mais le coach fait en face a fait que j'ai dû changer les plans aussi en cours de route. Mais ça s'est bien passé. Et je pense que la défense sur Wembanyama était très bonne. Je ne sais pas si c'est son plus petit nombre de points marqués dans la saison, mais ça fait partie des. Non, mais bon, ça fait rien. C'était quand même, par rapport aux dernières sorties, c'était déjà pas mal. Voilà, et puis surtout, on a mis 102 points contre Levallois. Je veux dire, 130 d'évaluation. On a fait 131 coups de Cholet. On a fait 130 d'évaluation là. C'est énorme, quoi. Je veux dire, je vais féliciter les gars, même si c'est une bande de fous furieux. Parce que prendre des tirs à 12 mètres quand on a un plus 20, il faut quand même, être furieux, quand même. Il faut quand même être fou furieux. Mais non, voilà, c'est. Et puis, encore une fois, je suis très content de l'apport. J'avais mis en avant Kadri la dernière fois. Arthur a fait très très bon passage défensif, offensif, très très bon, et c'est très bien, et je suis content, que ces joueurs-là montrent à tout le monde que ils servent à rien, etc. Ils servent, et ils sont bons. Et je suis content qu'Arthur montre le bout de son nez. Je suis content qu'Encadri montre le bout de son nez. Voilà. Et puis ceux qui pensaient que Foster ne faisait pas grand-chose ou ne servait pas à grand-chose, je pense que ça fait quelques matchs qu'il répond. Voilà. Même si en face, il y avait des clients, Foster, c'est un client. Et comme j'ai dit à Coral TV, tout le monde était venu voir Wembanyama. Bah, ça, on a vu la chorale et c'est très bien.